Good morning, Aleiden. Tu seras aujourd'hui les Lonishmat Amram Yona Ben Chana, Lor Lea Bat Beila, Peggy Bat Esther, Zavat Mazal Tov Shishportish, Michael Novikov, Sidr Fot Rout Bat Kulodin Traina, Simcha Bat Masoudi Betor, Shalom Chol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions. Masechet Edouyot, Perek Aleph, Mishnah Bet. Shamay Omer Mikav Lachala, Vehilel Omer Mikabaim. החכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, אלא קו ומחצה חייבים בחלה. ומשהגדילו עמידות, אמרו חמשת רבעים חייבים. רבי יוסי אומר, חמישה פטורין, חמישה ועוד חייבים. פרינסיפ, il est relativement simple, si on devait s'en tenir au mot, mais comprendre cette Mishnah, accrochez-vous, ça va être compliqué, on va faire des calculs mathématiques de l'époque. Où il calculait 100 décimales et on va suer, je vous garantis que ça va pas être facile. Baruch HaShem que, au moins, je vous ai dit hier qu'on n'allait pas faire le Barthénois systématiquement dans ma Masechet Edouyot, cette fois-ci c'est moi qui ai gagné, parce que si je devais vous lire et traduire tout ce qu'il y a écrit, eh ben ça aurait été très compliqué. On va expliquer quand même les grands principes, c'est pas compliqué. Première Mishnah, on a parlé de Nida, avec une machloket Shamay et Hillel, et Chachamim qui venait donner quelque chose d'intermédiaire. On continue avec la même allure, Hillel et Shamay et Chachamim qui viennent trancher entre les deux, mais en parlant d'un tout autre sujet, c'est la quantité de farine imposable de Challah. Tout le monde sait bien, lorsqu'on pétrit du pain, alors à partir d'une certaine quantité de farine, alors il va falloir prélever un petit peu de la pâte, et la donner au Kohen. À notre époque, on la brûle. Pourquoi on la brûle? Parce que nous, on est impurs. Donc, à l'impur, le Kohen ne peut rien en faire. Si déjà, on prélève un petit bout et on la brûle. À l'époque où les gens étaient encore purs, où on pouvait se purifier, on avait encore les cendres de la vache rousse, alors il fallait prélever cette challah, un 1/24 de la pâte, et aller la donner au Kohen. Parmi les pains, eh ben, on allait apporter un petit pain au Kohen, enfin un morceau de pâte, on le faisait cuire, je ne sais pas, s'il y a une contre-indication à le faire cuire. Et on allait le donner au Kohen, 1/24 de la pâte. D'accord? Ou 1/48, ça dépendait des conditions, si on était un vendeur de pain ou si on était un particulier. Ça se trouve dans ma Masechet Challah. Dans notre Mishnah, maintenant, on va s'intéresser à la quantité de farine pétrie imposable de Challah. Et on va avoir trois avis. On lit, on traduit et ensuite on explique. Shamay Omer, Mikav la Challah. À partir du moment où on pétrit une quantité de 1 kav, alors il faut prélever la challah. Et Hillel Omer, Mikabaim, depuis le moment où on pétrit 2 caves. Donc 1 cave pour Shamay, 2 caves pour Hillel, et Chachamim Omrim, Chachamim nous disent non, loke divreze, ve loke divreze, ni comme l'un, ni comme l'autre, mais plutôt, et là, cave ou mechetza, chayavim bechala. Depuis le moment où on pétrit une quantité de 1 cave et demi, on est imposable de challah. Et on s'arrête là pour le moment. Et on explique cette première partie. Le principe, la source de la Torah, il est très simple. D'abord, le moyen mnémotechnique des mesures de volume de l'époque, on le connaît, on s'en rappelle, Eskalav Goudo. C'est ce que j'ai écrit ici. Eskalav Goudo, on les a tous. Eskalav, et les coefficients, c'est Goudo. Eskalav, c'est Eifa, Ca, Kav, Log, Beitza. Et Goudo, c'est le coefficient. Une Eifa contient 3 Ca. Une Ca contient Vav, Kav. Un Kav contient, j'en étais où, si, Dalet, 4 Log. Et un Log, Vav, 6 Beitza. D'accord? Ça fait que, par exemple, si vous voulez convertir directement toute une Eifa, pour savoir, dans une Eifa, on va avoir donc 3 Cin, ou bien on va avoir 18 Kav, ou bien on va avoir 72 Log, ou bien on va avoir 432 Beitzim. D'accord? Deux notions très simples. Ça, c'était avant de revenir sur les psukim. La Torah nous a dit « Reshit aristotechem tarimu challah teruma l'Hashem ». Depuis le moment où vous commencerez à pétrir, donc vous ferez une pâte, alors « challah tarimu teruma l'Hashem », vous devrez prélever une challah en l'honneur d'Hashem et aller la donner au Kohen. Maintenant, « Reshit aristotechem » depuis le début de vos pâtes. Quelle quantité de pâte doit-on faire cuire? Chachamim déduit que la Torah fait allusion à la quantité que l'on mangeait dans le désert. Dans le désert, on mangeait la manne, et la Torah nous a dit « Veha Omer », on mangeait une quantité de 1 Omer, on ramassait chaque jour une quantité de 1 Omer, et le Omer, ça correspond à une assyrite à Efa, un dixième de la Efa. Alors, Baruch HaShem, nous on calcule en décimale,
c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas pourquoi à l'époque, ils ne calculaient pas en décimales. Et c'est vraiment, c'est très difficile quand on étudie ces sougyot, quand on étudie ces sougyot dans le chasse, les conversions de différentes monnaies. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, ça ne fonctionnait pas en décimales. Mais nous, on va d'abord faire notre calcul en décimales. De manière générale, tu me dis que un homer, c'est la quantité qu'on mange quotidiennement. Un homer, ça correspond à un assyrit haïfa, puisque dans un haïfa, une haïfa, ouais, celui-là, j'ai 432 beitim, donc un dixième de ça, ça va me faire, ça c'est pour une haïfa 432 beitim, alors à homer, c'est assyrit haïfa, un dixième de ça, ça fait 43,2 beitim, c'est la quantité qu'on irait qu'on mangeait à l'époque, par jour, le volume de ce qu'on... Tout, les différents aliments qu'on peut manger, je ne sais pas exactement. En tout cas, en manne, ils mangeaient l'équivalent de 43,2 beitim. Une beitza, pour mieux assimiler les choses, une beitza, aujourd'hui, on considère que c'est... On traduit ça par 52 grammes. Mais en réalité, ce n'est pas 52 grammes. Ça correspond à... Attendez une seconde. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas 52 grammes. Même si on le traduit de cette manière, c'est en réalité 52 millilitres. C'est un volume, ce n'est pas un poids. D'accord ? Donc, si on veut maintenant savoir combien fait une Eifa, ça fait l'équivalent de 22 litres et demi, 22,484 litres. C'est ce que j'ai écrit, je suis un peu étonné. Non, c'est bon, ça marche. Et donc, Assyrit Eifa, ça fait l'équivalent de 2,24 kilos, c'est à peu près la quantité que la Torah a dit qu'on mangeait par jour de Homer. Ok ? L'équivalent de 2 litres 248, si on se fonde sur le rôle de l'eau, comment ça s'appelle, la masse volumique de l'eau, donc ça va faire l'équivalent de 2,240 grammes. 2 kilos, 240 grammes de quantité. C'est la chala initiale que la Torah, elle a dit. Ça se traduit un peu différemment, mais pour le moment, on reste sur ça. Ok, ça, c'est si on devait calculer. Maintenant, ça va être Bémet, l'avis de Chachamim, qui vont nous dire, c'est simple, Assyrit Haïfa, donc un dixième de ça, ça va nous faire donc l'équivalent de 43,2 beitim. Il y a bien sûr plein de discussions, c'est quoi une beitza, c'est pour ça qu'on arrive à la chale maasé, on en parlera un petit peu après à la fin. Quelle quantité exactement doit-on prélever? 1 kg 2, 1 kg 666, vous avez déjà entendu ces chiffres, et pour les Ashkenazes, 2 kg 225 pour dire la bracha. On en reparlera à la fin, mes antachem de la Mishnah, quand on verra la conclusion du Barthénois. Maintenant, ça, c'était la donnée de base, et c'est Bémet l'avis de Chachamim. J'ai ici l'Aïfa, un dixième de ça, ça fait 43,2 bétim. On traduit ça, ça va nous faire l'équivalent de ce qu'on va appeler Kav Vamertza, et qui s'appelle aussi, qui va donc s'appeler aussi Chameshet Revaim Kemar. Chameshet Revaim Kemar, on en reparlera après. D'abord, pour le moment, on met Chachamim de côté, et on revient sur Hillel et Shammai. Et on va commencer par d'abord expliquer Hillel. Comment Hillel s'est retrouvé en me disant Kabaim? Deux caves, c'est pas logique. Dans une Eifa, il y a 18 beitim, 18 caves. Un dixième, ça devrait faire 1,8 caves, et pas deux caves. Comment il allait arriver à calculer 1,8, deux caves? Alors là, c'est là où ça devient très compliqué à expliquer en tout cas, et même à comprendre, parce que nous, on ne fonctionne pas de cette manière. Mais avant, on va rapporter un petit exemple sympathique. Ouais. Quelqu'un vend des chemises à 100 shekels. Il va faire une dépromotion, 10% de remise. Et puis après, une fois que la période des soldes passe, il va vouloir rétablir le prix. Au lieu de recalculer tous les prix, il va donner un ordre à son ordinateur, ben, rajoute 10% au prix que ça coûte maintenant. Est-ce qu'il va revenir au prix initial? Vous avez compris le cas? Ouais, il a diminué tous les prix de son magasin de 10%. Donc il y avait une chemise qui coûtait 100. Hop, il a dit à son ordinateur, quand je fais passer au barcode, tu me passes au code barre, tu me déduis tout de 10%. Et donc, maintenant ce qui coûtait 100, il va coûter 90. Et puis finalement, il va vouloir revenir au prix initial. Est-ce qu'il va pouvoir donner à son ordinateur l'ordre de rajouter 10% des prix? Bien évidemment, non. Il va faire une grave bêtise. Pourquoi? Parce que quand la chemise elle coûtait 100, il a diminué 10%. Aujourd'hui, la chemise ne vaut plus que 90. Si tu dis à ton ordinateur de rajouter 10%, il va rajouter 10% de 90, il va rajouter 9, il va parvenir au 100. Alors qu'est-ce qu'il va devoir rajouter? Vous avez compris le problème? Ouais, c'est clair. Parce que j'ai 100, donc j'ai 10 fois 10. Je t'ai demandé de supprimer un dixième. D'accord. Maintenant, il va me rester 9 fois 10. Je te demande maintenant de rajouter un dixième.
Si je donne un, ça va être un dixième de ce qui reste. Donc un dixième des 9 restants, des 9 mesures. Ouais, donc tu vas m'en jeter, tu vas revenir à 99, mais pas à 10. Pour que tu puisses revenir à 10%, il va falloir que je te demande de rajouter un 9e. Et là, regardez, remonter les prix de 10%, ça peut être aussi qualifié de rajouter un 9e. Au lieu de rajouter un 10e, on rajoute un 9e. Comment on arrive à un calcul pareil? C'est simple, c'est ce qu'on appelle dans la Gemara, calculer millébar ou millégav. Millégav de l'intérieur ou millébar de l'extérieur. Si je dis à l'ordinateur de rajouter 10%, alors je suis en train de dire de ce qui reste, tu calcules de l'intérieur, des 9, des 90 restants, tu rajoutes un dixième. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut que je lui dise quelque part de rajouter soit de rajouter un 9e, et si je veux parler en 10%, il faudrait que je lui dise une forme d'équation un petit peu originale, en lui disant rajoute la quantité nécessaire pour que lorsque tu l'auras rajouté, ce que tu auras rajouté représentera 10% de ce que le total vaudra. Genre, tu rajoutes 10% de millébar. Une fois que tu l'as rajouté, ce que tu as rajouté doit représenter 10%. Et alors là, il va calculer tout seul, en fait, si toutefois il y a une fonction pareille, que ça correspond à un 9e devient un 10e. Au final, il va être un 10e, pour le moment, il est un 9e. J'avais 9 mesures, je lui rajoute 1, maintenant je vais avoir 10 mesures. Ce que j'ai rajouté représente un 10e. Il représente un 10e du produit final ou il représente un 9e du produit initial. D'accord? C'est quand je calcule millébar, millégav. Et alors là, c'est exactement le même principe qu'on va utiliser deux fois dans notre Mishnah. Très fréquemment, la Torah, lorsqu'elle nous dit de rajouter un 5e, un 10e, et bien souvent, il va falloir calculer millébar. C'est pas comme ce que nous, on s'exprime. Nous, pour nous, on calcule toujours depuis l'intérieur. Et bien non, la Torah, des fois, elle nous dit rajoute un 5e, mais en réalité, rajoute la quantité nécessaire pour qu'après, à jour, ce que tu as ajouté représente un 5e. Ok? Alors maintenant, on revient sur notre Mishnah, et c'est là que Hillel est arrivé à Kabaïm, à 2 caves. Alors que la Eifa représentait 18 caves, quand je dis à Omer, à Sirita Eifa, que le Omer représente un dixième de la Eifa, ne le calcule pas de manière de l'intérieur, c'est-à-dire tu prends la Eifa, tu la sépares en 10. Non. Le Omer représente un dixième de la Eifa, ça signifie, c'est compliqué, c'est comme ça que c'est expliqué dans le Tosot Yom Tov, au nom du Rahavad, c'est que si tu rajoutes cette quantité-là à la Eifa, alors le Homer va représenter un dixième de ça. Donc en réalité, il fait 2. Parce que quand que sur les 18 caves qui sont la Eifa, quand je vais lui rajouter les 2 supplémentaires, alors les 2 vont représenter le dixième du produit final des 20. Ok? Vraiment, je m'épate que j'ai réussi à Bichlal à vous le dire, tellement que c'était dur à comprendre. J'ai étudié ça avec mon fils, histoire de... qui m'aide à organiser mes idées. Bon, je m'en suis pas mal sorti. Ok? On a compris Beth Shammai, Hillel, comment il est arrivé à Kabaï. Maintenant, on revient sur Shammai. Lui, selon Shammai, c'est vrai, ce que tu mangeais par jour, c'était 2 caves. C'était pas 1,8 caves, mais c'était 2 caves. C'est vrai, mais la moitié le matin, la moitié le soir. Donc quand je te demande de prélever un dixième de ta pâte, je te demande de celle que tu fais le matin ou de celle que tu fais le soir. Donc à partir de 1 cave, tu devais imposer la challah. Et on a fini Baruch HaShem, Shammai comme Hillel. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on a un Bar Tanora assez long, épuisant, si on n'a pas l'habitude à le faire. Je vous le dis, Bezrat Hashem, je consacre 2 petites minutes pour vous expliquer le principe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant, nous, on calcule de manière décimale. Dans notre manière, on a été éduqué à calculer comme ça, on prend la EFA, on la calcule directement en Beitza, et je te dis, tu prends un dixième de ça, donc un dixième de ça, ça fait 43,2 Beitza. C'est vrai, c'est pas mal. Maintenant, si toutefois on a envie d'exprimer 43,2 beitza, on veut réduire un petit peu tout ça, alors on va dire, ben c'est simple, puisque tu as 43,2 beitza, ça va nous faire, ça va faire qu'en réalité, dans 43,2 beitza, ouais, je l'ai mis ici, 43,2 beitza, il y a 42 beitza et 1,2 beitza. 42 beitza, ça va faire l'équivalent de 7 logs. Donc en fait, la quantité requise pour Chachamim, ça fait l'équivalent de 7 logs plus 1,9, plus un cinquième d'œuf. 1,2 œuf, ça fait un œuf et un cinquième d'œuf. Pour le moment, tout va bien. Ce qui s'est passé maintenant, il y a une notion qu'on rencontre fréquemment dans le chasse, c'est que des fois, ils agrandissaient leurs mesures. Mais c'est assez original. On avait une mesure de 1 litre pour relancer l'économie, pour plusieurs raisons. Ils ajoutaient sur leurs mesures. Mais la mesure restait la même mesure, sauf qu'elle était devenue plus grande. Soit, imaginez demain, ouais, on se lève demain et on va se retrouver avec des litres qui s'appellent toujours 1 litre, mais en fait on lui a rajouté un 1 sixième.
qui n'est même pas un sixième en réalité, c'est un cinquième de ce qu'il y avait pour être représenté un sixième de ce qu'on arrive, avec le calcul millébar, millégav. Ouais, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc imaginez maintenant que tout, on se lève demain matin, et puis on a agrandi toutes les mesures. Un litre, c'est devenu un litre, il s'appelle encore un litre, mais en réalité il a un cinquième ou un sixième supplémentaire. Il a un cinquième supplémentaire qui va faire que maintenant, selon le produit final, il a un sixième supplémentaire qui était initialement la mesure initiale. Et bien ça, c'est arrivé à deux fois dans l'histoire. Depuis les mesures qu'on avait quand on était dans le désert, il y a eu ensuite les mesures Yerushalmiyot, et puis après il y a eu les mesures Tziporiyot, de Tzipori. Et ça, ça a fait qu'on s'est exprimé différemment pour qualifier la même quantité. Soit la quantité imposée par la Torah, ça reste toujours la même chose. Une Haïfa, 43,2 Beitzim. Mais seulement jusqu'à maintenant, on appelait ça 7 logs et un œuf et un cinquième d'œuf. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu un jour, une première fois d'abord, en deux étapes, une première fois à Yerushalayim, ils ont dit que les Midot, ben, on va rajouter un sixième, qui en réalité un cinquième, pour devenir un sixième, qu'on s'en expliquait, d'accord ? Donc maintenant, on va se retrouver qu'on avait 7 logs. Alors sache deux minutes, prends les 6 logs, ouais, et ces 6 logs, maintenant, sache que maintenant, ils vont devenir 5 logs. Parce qu'en fait, le log, on va agrandir la mida du log, parce qu'on va lui rajouter un cinquième supplémentaire. Donc quand on va lui rajouter la mesure supplémentaire, ce que tu avais initialement qui s'appelait 6 log, et ben maintenant ça va s'appeler juste 5 log. D'accord ? Et pourquoi j'ai fait ça deux minutes ? Là, je me suis un petit peu embrouillé, mais c'est pas grave. Non, non, ouais, le principe il est clair, mais attends. Ouais, 6 vont rentrer dans 5. Donc maintenant, on en était dans 7 log, et voilà, voilà. Vélog Anisha, donc maintenant, parmi les. On avait dit qu'on avait donc 6 fois 7, 42. Donc on avait 7 logs. Alors les 6 vont rentrer maintenant. 6 logs, ça va devenir 5 logs. Le log supplémentaire, lui, c'est devenu une mesure cassée. Donc on va la reconvertir maintenant en Beitza. Elle va redevenir 6 Beitza. Ouais, Vélog Anisha ou Beitza Vechomesh. Beitza, Olim les logs Yerushalmi, ça va former en fait. Quand on va ajouter avec le Beitza et le cinquième de Beitza, on va lui ajouter une Beitza et un cinquième de Beitza, ça va faire l'équivalent de 1 Beitza. Le log initial, il représente plus que 5 logs, donc on le reconvertit en Beitza. Et il va s'avérer en fait qu'on va lui rajouter encore le Beitza manquant et on va avoir un Beitza supplémentaire. C'est comme ça qu'on est arrivé à un Kav Vamertza. C'est expliqué dans le Bartanora, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Je ne me suis pas trompé. Bon, j'en suis bien sorti, mais ça va faire trop lourd si j'en montre tous les détails. Et puis après, donc on s'est retrouvé avec finalement, avec, au final, on va se retrouver avec 6 logs pleins, d'accord ? Puisque les 6 étaient devenus 5 et qu'on a réussi avec le dernier log, en lui ajoutant le Beitza, le cinquième de Beitza, à reformer de nouveau un log supplémentaire. Donc on est redevenu à 6 logs. 6 logs, selon notre correspondance, 6 logs, ils sont là. Ça va nous faire un cave et demi, puisqu'il y a 4 logs, ça fait un cave et demi, c'est ce que Ramim ont dit que ça fait cave à Mertza. Cave à Mertza. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a une deuxième fois dans l'histoire où on a pris les mesures et on a rajouté de nouveau, on a fait le même système, on a rajouté encore une fois un sixième qui en réalité un cinquième depuis l'intérieur. Donc en fait, le 6 log, il est devenu 5 log. 5 logs, alors c'est ce qu'ils nous ont dit, Ramim, Ramishet, Revaim, Kemar. Ça veut dire 5 logs, ça va nous faire Ramisha, Revae, Kav. D'accord ? Ça veut dire 5, ça va faire 1 cave et encore 1 quart de cave. 1 cave, exactement, ouais. Donc ça fait 5, Revae, Kemar. Ok, on s'en est bien sorti. Baruch Hashem, on a tout expliqué finalement. On se retrouve juste, donc c'est ce que la Mishnah nous enseigne maintenant. Je reprends depuis Chachamim. Va Chachamim Omrim, lo que divrezé, mais lo que divrezé, ni comme l'un ni comme l'autre. Et la cave ou Mertza, un cave et demi, soit parce qu'on se retrouve avec les mesures de Yerushalayim qu'on avait expliqué, on était au début 7 logs et 1 Beitza et un cinquième de Beitza, quand on a tout réduit ensuite à, en rajoutant un cinquième, alors on s'est retrouvé avec à présent 6 logs. 6 logs, ça fait un cave et demi. D'accord ? Et la cave ou mertza chalavim bechala. Un cave et demi sont imposés de chala. Ou mishihig dilou amidot. Depuis le moment où ensuite ils ont encore de nouveau agrandi les midot, le Bartanora explique. Zoimidat tzipori. En tziporite. Ah, il y avait une ville qui s'appelait Beir Tzipori. Alors ils ont acheté aussi fouche tout à la Yerushalmite. Ils ont encore de nouveau ajouté un sixième sur la Yerushalmite, qui est un sixième
de l'extérieur, ça veut dire un cinquième de l'intérieur. Alors il s'avère que les 6 deviennent 5, alors on s'est retrouvé avec Hameshet Revae Kav, 5 quarts de Kav. D'accord ? Chakav Arba Login. Et voilà, ça c'était l'avis de Chachamim, donc Hameshet Revaim Chavim. Maintenant, Rabbi aussi vient, il nous rajoute juste une petite donnée intéressante. Chamisha Pturi, non, si tu as exactement 5 Revae à Kav, donc ça veut dire 5 logs. Si tu as juste 5 logs, tu n'as encore pas tour. Mais si tu as Chamisha Va'od, 5 et un peu plus, alors tu seras Chayav. Pourquoi c'est un peu plus? Parce que selon Rabbi aussi, c'est très simple, c'est pas compliqué. Selon Rabbi aussi, le Beitza du Midbar, l'œuf qu'il y avait dans le Midbar, il était une mesure un petit peu plus grande que le Beitza de 1 vingtième supplémentaire. De ce fait, il faut rajouter sur les mesures que Rami ont évoquées un petit vingtième supplémentaire pour être imposé de Chala. Concrètement, si on veut retenir quand même quelque chose qui nous compare dans la vie de tous les jours, alors on n'a qu'à lire la fin du Rambam, la fin du Bar Tanoura qui nous rapporte au nom du Rambam en nous disant « Verambam izen vechiker vetiken ou badak » c'est des expressions de... dans des psukim de Kohelet. Rambam, il a bien analysé et tout pour savoir exactement bien combien est-ce qu'il fallait pour être imposable de Chala. Venimtsa, et Umatsa, il a trouvé que chez Mishkal 520 ve'esrim darham, une mesure de 520 darham, c'était une mesure d'époque qui avait en Égypte et en Israël, en fait, dans tout le Moyen-Orient, elle était utilisée, ce darham, qui correspond en fait à. Je l'ai écrit ici, 3,205 grammes. Un darham, c'est 3,205 grammes. Donc 520 darham, ça fait justement l'équivalent de 1,666 kg. Mikemach chitim, de farine de blé. Hushiur akemach shechayav bachala. C'est la quantité de farine qui est imposable de chala. Au mishkal adarham, yadua bemitzrayim ayom. Le poids, le bartenora qui était... Il y a l'équivalent de 200, non, beaucoup. Tafresh, à peu près, non, Shnatafresh, 5200, bon, ça fait quelques années quand même. À son époque encore, mais même beaucoup plus tard, on connaissait exactement cette mesure du darham. Yadua ben Mitzrayim ayom, il était connu à son époque, en tout cas, en Mitzrayim, ou Bechol Eret Israël, ou même en Eret Israël, Shu Mishkal Shishim Ve'achat Gargirei Seorot Bekiruv, qui est l'équivalent, en fait, de 61 graines d'orge, exactement. D'accord ? C'est une mesure qu'on connaît en tout cas. Donc c'est de là qu'on arrive que, pour des calculs de volume supplémentaire et d'espace à l'intérieur des grains de blé, alors on est marmire à partir de 1,200 kg de prélevé sans bracha et 1,666 kg, si on se fonde sur le darham, pour être imposable de chala. Et les Ashkenazim, beaucoup d'Ashkenazim en tout cas, sont marmirim d'atteindre 2,250 grammes de farine uniquement pour 2,250 grammes pour dire la bracha sur la frachatrala. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.